Daveyron fait partie de la plaine de Versailles. Donc nous, nous sommes installés sur la commune de Daveyron depuis maintenant 8 ans. On a acquis cette parcelle de terrain en 2002, elle fait 25 hectares. Sur ces 25 hectares, nous produisons des aromatiques, des choux, des haricots, du thym, enfin tout ce qui fait partie des aromatiques. Et en novembre 2010, on a fait le pari de lancer de la vente directe. Donc la vente directe, on a décidé avec mon mari de scinder cette activité de production et de vente. Donc moi, pour une question de réorientation professionnelle, j'ai fait le pari de mettre un site internet et de me coller à la vente. Ce choix a été aussi conditionné par le fait que j'ai eu à un moment donné de ma vie envie de faire autre chose que ce que je faisais par le passé, c'est-à-dire un métier plutôt administratif. J'étais cadrée à RH dans une grande entreprise, donc pas du tout ma formation de base. En revanche, c'était tout à fait opportun et pour travailler avec mon mari, pour l'aider à la fois dans ce que lui fait au niveau de la production et puis pour pouvoir mettre en place la vente directe. Le gros de la production, la dominante de la production, c'est surtout les aromatiques, les choux, la variété, le panel de choux. Donc il y a ce qui est au niveau de la vente directe, mais il y a aussi ce qui va sur le carreau des producteurs de Rungis. Donc là, c'est ce à quoi mon mari passe 3 ou 4 fois par semaine son temps. Localement, Daveyron fait partie de la APPVA, l'association patrimoniale de la plaine de Versailles et du plateau des Alluets, qui regroupe un collectif de plusieurs producteurs. Donc ces producteurs sont assez différenciés par leur nature, des producteurs maraîchers que nous sommes. Il y a des céréaliers, il y a aussi des arboriculteurs, il y a des personnes qui font de l'élevage de poules. Et pour ce qui nous concerne, on est axé sur le maraîchage, donc la production de légumes, et on a environ une quarantaine de légumes produits sur la parcelle de Daveyron. Plaine de Versailles, ça fait chic, mais plus sérieusement, c'est très agréable et nous avons une grande fierté à habiter dans cette plaine. Tout d'abord parce que le développement outrancier urbain n'y est pas encore arrivé. Donc ça, c'est une grande qualité de vie. À la fois parce qu'on crée aussi du lien, en ayant créé la vente directe sur l'exploitation. Les personnes qui viennent à la boutique ont un grand plaisir à découvrir nos différents articles qui sont coupés à maturité. Donc le fait d'avoir tout de suite sa salade coupée fraîche dans l'assiette, pour eux, pour les clients, c'est un grand réconfort de savoir que les légumes n'ont pas voyagé pendant des kilomètres et des kilomètres. Et parfois, quand il y a des sceptiques, on prend 3 minutes et on va voir dans le champ où sont produits les légumes. Et du coup, ça donne du sens à ce qu'on fait, et ça donne du sens aussi à ce qui est fait d'une façon générale dans cette plaine par les producteurs que nous sommes. À la fois les maraîchers, les arbos pour les fruits, les céréaliers, ça donne du sens à tout ce qui se passe dans cette plaine de Versailles.